Hey, salut à tous, c'est Ramenset et on se retrouve du coup pour la suite de ce let's play comme d'habitude. Nous nous étions arrêtés sur l'éclosion de Togepi, il me semble, et on était revenu à Lavandia. Je crois qu'il faut aller surfer. Alors on voit que mon écran est un peu couleur différente, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est parce que je joue le soir cette fois-ci, contrairement aux autres jours où c'est en pleine journée. Là, je joue le soir et du coup, dans le jeu, vu que c'est Achrome, ils ont fait aussi un changement de couleur en fonction de l'heure. Là, il est à peu près 19 h, donc vous voyez ce que ça fait. Donc, on va parler à l'ancien maître d'arène, Voltaire. Oh, Remmatet, tu sembles avoir beaucoup d'entrain. C'est une bonne chose. Bien, j'ai compris, j'ai pris une décision. J'ai une faveur à te demander. Lavandia comprend une partie souterraine appelée New Lavandia, je crois. J'aimerais que tu t'y rendes et que tu payes le générateur. Le générateur fonctionne un peu bizarrement, ça devient dangereux. Tiens, voilà la clé pour pouvoir entrer à New Lavandia. Ok. Ne t'inquiète pas pour ça. Ce ne serait pas trop dur pour toi. Je viens pour arriver à New Lavandia. Ok. Alors je sais pas si on va aller à New Lavandia ou si on continue notre route pour le prochain badge marqué. Je regarde les Pokémon. Ça pourrait faire un très bon entraînement à nos Pokémon, donc je pense qu'on va y aller. Allez, c'est parti. Je peux faire ici, il me semble. Utiliser ça. Il me semble qu'il avait écrit un truc sur ce panneau. Vive la Team Aqua! C'est ce qui est écrit sur le panneau, mais quelqu'un a rajouté un nouveau texte par-dessus. On peut lire la Team Magma est la meilleure. Ok. Vigoroth sur l'eau. Ok. Hippotrempe. Ouah, niveau 33, j'avais pas vu ça. Bon, on va essayer de le battre. De toute façon, je ferai des ellipses si je vais au centre Pokémon. On va faire par un sport. Ah, il m'endorme, c'est enfoiré. On va continuer, hein, j'ai pas le choix. Bon, il va me mettre KO. Vous savez quoi? Je vais sûrement faire une ellipse. On va faire fuite, je vais faire une ellipse, je viens de soigner, puis on se retrouve ici. Allez. Hop, on va essayer de quitter ça. J'aurais une fait chier. Hein. Allez, ellipse, on se retrouve ici. Donc, alors je me suis soigné un petit coup, mais j'ai re-rencontré des Pokémon, donc j'ai pris un peu de dégâts. Allez. New Lavandia. La porte est fermée. Utilise la clé. Utilisez la clé du sous-sol. Oui. M27, utilisez la clé du sous-sol. La porte s'ouvre. Ok. Ah ouais, je me rappelle de ce truc. C'était quand même assez chiant. Ouh, un petit Pokémon intéressant avec Turbo là. On va fuir, allez, hop. Pourquoi ils veulent pas que je fuis à chaque fois? C'est à cause de mon niveau. Je vais mettre un Pokémon assez fort en tête d'équipe. En plus, il va peut-être évoluer Poulet d'Or depuis le temps. Alors, il faut aller là, hop, ça s'est ouvert. Ok, alligator. Pistolet à eau. Pistolet à eau, ok. Ouh, roulade. Ah, ça va, c'est pas très efficace. Calimero gagne 300, monte au niveau 12, ok. Lombré. Pistolet à eau. Ah, il a fabriqué, ok. On va essayer d'accélérer quand même cette phase. Hop, je sais pas s'il fallait que j'appuie. Ludicolo. Après ils vont nous mettre quoi, Nénupio? Stoléao. Je voulais dire aussi pendant l'ellipse j'ai rencontré un Raikou. Vous ne l'avez pas vu mais j'ai rencontré un Raikou. Vassilis. Je sais jamais quelle attaque craint ce Pokémon. Explosion. Ok. Pokémon. J'ai froid, d'accord.
On va éviter de se taper tous les Pokémon aussi. Ah, j'ai failli appuyer alors qu'il fallait pas. Oh, c'est ok. On va fuir, hein, sinon on n'avance pas. Je crois que je vais pas tarder à faire un stage d'entraînement d'ailleurs. Parce que mes Pokémon sont assez faibles. Une corde sortie, tant mieux. Donc je vais appuyer là, je pense qu'il faut que j'aille au-dessus. Branette! Ah là là, ce sprite, comme il fait peur. Il n'y a rien ici? Si, il y a quelque chose. Droite ou gauche? Vous savez quoi, on va prendre les objets et on va se casser. Lipoutou, Lipouti, pardon. Hop. Allez, hop. Antipara, là ça va être un Pokémon. Et ouais. On entend le bruit de Voltorb, mais c'est pas un Voltorb capable. Ah si! Ah d'accord, j'ai rien dit, je ferme ma bouche. La destruction, ce truc. On va fuir. Grimace. Bon. Il veut qu'on lui éclate la figure, on va le faire. Voilà. Allez, on accélère. Polichombre. Fuite. Ça, c'est quoi? C'est une centrale électrique. Donc, d'accord, Pokémon, on va le fuir. Putain, possible. Bon, on va faire Volvi. On va faire VG Attaque. Ouah, wow, on l'a pas mis KO. Volvi. Voilà. Calimero monte au niveau 15. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Calimero, je vous le montre. C'est mon Togepi que j'ai eu en 9. Je suis très content. Il a quoi? Ok, il a toujours pas pris d'attaque. Je lui ai mis le multi-apps pour que il gagne des niveaux. Ah voilà, c'est ça qu'on devait éteindre, il me semble. Là, il me semble que c'est une pierre foudre. Ah non, c'est la CT Fatal Foudre, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Le générateur émet de la chaleur que l'on peut sentir, même à distance. Il faudrait sûrement l'éteindre au plus vite. M27 marche sur l'interrupteur. Clic. Le générateur semble s'être arrêté. Quoi, il y avait juste ça à faire? Eh bah, c'était simple. Comment on sort maintenant? On peut faire une corde sortie ici? Parce que j'ai la flemme de tout nous faire. Ah ouais, tant mieux. Voilà, on est ressorti. Je pense qu'on va s'entraîner un petit coup. Hors épisode. On va quand même avancer. Alors, de nouveaux Pokémon. Ok, d'accord. On va les soigner un petit coup. On va parler au vieillard après. Au maître d'arène, bien sûr. Voilà, je me soigne parce que ça vaut pas le coup. Je choisis une ellipse pour 5 secondes. Wahaha! Je le savais, Ram27. Je savais que j'avais raison de m'adresser à toi. Voilà ma façon de te remercier. Une CT contenant tonnerre. Allez. Ok. Toujours ça de prix. Wahaha. Je suis très content de voir les jeunes avancer et prendre les choses en main. On a quoi comme CT d'ailleurs? Au niveau des bols, on est bien équipé. Larcin, ça peut être pas mal. Hein. Bon, allez, on va continuer notre route. Lui, je crois, il nous donne une canne. Super canne. Voilà. Merci. Allez. Ah, Pierre. Je me rappelais plus qu'on le rencontrait là. Salut, Ram27, c'est moi, Pierre. Nous nous sommes rencontrés près de village Miyokara. As-tu vu beaucoup de sortes de Pokémon depuis la dernière fois? Dans ce vaste monde, il existe tellement de Pokémon différents. Élèves-tu différents types de Pokémon? Ou te concentres-tu sur un type précis? Qu'en penses-tu en tant que dresseur? Désolé, ça ne me regarde pas vraiment. Pas vrai? Bon, en tout cas, j'espère qu'on se reverra. Bah oui, t'es le maître de la ligue. Reliquante. Ah oui, c'est vrai que j'avais envoyé lui. Pistolet à eau, jackpot. Dépit.
étonnement. Hop, voilà, c'est très beau. Allez, on va essayer d'avancer. Hop. Alors, ah ouais, c'est vrai qu'il pleut ici. Enfin, il y a des zones où il pleut, il y en a d'autres où il pleut pas. On va essayer d'avancer sans rencontrer de personnage. Le petit. Il est d'or. Ah, en plus, il pleut. Vendetta, je crois, c'est plus puissant. Ouais, super efficace. Hyper potion. On peut se soigner là-dedans, il me semble. Non. Madame, on peut se soigner. Grotte origine. Ok. Non, on peut pas se soigner ici. Ah ouais, je me rappelle du nombre de chances qu'on pouvait pour attraper un barpo à cette époque pour avoir le fameux Inobelus. Super Pokémon qui était très rare. Hop là, je t'ai esquivé toi. On va avancer. Tac, tac, tac. Ouah, j'ai failli les affronter. Un petit match double. C'est parti. Mince. Un petit match double, poulet d'or. Ordre, on va mettre celui là. C'est parti. Allez, hop. Où que je sois et quoi que je fasse, je regarde toujours mon parasol. Je garde toujours mon parasol, pardon. Je vais te montrer mon vrai potentiel ainsi que celui de mes Pokémon oiseaux. Un combat est lancé par Sœur Parasol et... Ouah, Sœur Parasol Arlette. Ok, c'est pas très courant, mais... Et ornithologue Phil. D'accord, Marest et Cracknox. D'accord. Allez, on le fait. Alors, mes attaques de type plante sont pas très efficaces. Je propose qu'on fasse un petit yoga. Protection. Puissance cachée. Ok, tornade. On va faire machouille, on va s'acharner sur un. Sachant que ce Pokémon, il a beaucoup de défense, il me semble. Ok, j'ai froid, on va le changer. Je sais pas qui a envoyé. Bubule, à toi. D'ailleurs, je sais pas au niveau combien il évolue, Bubule. Ce serait pas mal. Cyclone. Ok. Il me l'a retiré pour un... Je l'ai retiré pour qu'il me le renvoie. On va faire puissance et surf. Même si c'est pas très efficace. En tout cas pour ma reste. Pistolet à eau. Je ferais bien un poudre toxique sur le Cracknox. Et on va faire surf. Coup critique, tant mieux. C'était le but de la puissance. Calimero monte au niveau 16. Il tente d'apprendre cage éclair. Très bonne attaque, je vais lui apprendre. Place 2. Écrasement, c'est quoi ça? Peu apeuré. Bah, vaut mieux prendre un truc qui a peur. Hein. Allez, hop. Mimiqueux, ça peut être utile. Poudre toxique qui marche, tant mieux. Alors, maintenant on va faire avec la troc. Et surf. C'est pas très efficace. Ok, celle de la Mika en tout cas. Voilà, on a gagné du fric en plus. On va passer sur le côté. Camerupt. Ok, on va te fuir. Ce serait bien qu'on avance. On aille jusqu'à la team Aqua, si je me rappelle bien. Électrode. Ok, on va fuir. Explosion. Ah bah, cyclone. Le gars, il veut pas nous faire fuir, mais... Il veut pas qu'on fuit, mais il nous fait fuir. Combat double. Ouais. J'aime bien les combats doubles. J'adore les combats doubles. Ouais, mais t'as mort. Janko. On va faire... Yoga. Et lui, on va faire un VG Attack pour finir le Janko en un coup. C'est possible. Voilà.
Calimero monte au niveau 17. Miaou s'est envoyé. Je fais un petit yoga. Pistolet à eau, il me met KO. D'accord. Pas de problème. Bubule, à toi. En fait, je crois que le surf, il a fait des gros dégâts tout à l'heure parce qu'il y a la pluie aussi. Il doit être pour ça. Alors, ma chouille sur lui et puissance. Là, coup de boule. Oula. Il est temps qu'on attaque. Qu'on fasse un... Oula, attendez. Hop, ma chouille sur Miaouz. Et surf. En espérant les mettre KO. D'accord, ça c'est fait. Lui, il n'est pas mis KO, mais il va être l'être avec le... Le machouille, sauf que c'était pas prévu qu'il me mette KO mon bubule. J'ai quoi comme attaque avec lui? Mon pyroli qui était show legend. Ok, parfait, je vais l'envoyer. Machouille qu'il finit, très bien. Depuis qu'il a yoga, Canartichaud il devient bon. Et machouille aussi. D'accord, machouille. Et pistolet à eau qui est super efficace. Rayon lune, ok, l'attaque qui sert à rien. Super efficace, ça ne met pas KO, mais je vais le finir. Machouille, tant mieux. D'accord. Très bon combat. Allez. Hop. Tiens, qu'est-ce qu'il nous a dit ici? C'est très ennuyeux de surveiller. Et toi, ne t'approche pas trop près du centre météo, s'il te plaît. D'accord. Ok, je le fais surtout pas. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Tout le monde est à l'étage, d'accord. Ah, tant mieux, on s'est soigné. C'est ça, on s'est bien soigné, d'accord. De toute façon, je connais pas encore ce jeu. Soit on va en haut, on affronte lui, soit on va en bas, on affronte elle. Je préfère les filles. Hein, qu'est-ce que ce monde fait ici? Un combat est lancé par le sbire Timaqua. Et crémeux, ok. On va faire yoga. Et machouille. Vous savez quoi? C'est pas une bonne idée. Il va me mettre KO si je fais patience. Détection. C'est pas bon du tout. Je crois que je vais me laisser me mettre KO. C'est tout ce que je peux faire. Patience. Je peux que faire ça. Ok, il m'a mis KO. Bubule, il est devenu bon hein, depuis qu'il a appris sur. VG attaque. Volvi, Liv attaque. Ok, on va faire Volvi. Protection. On va faire Vega attaque. Hein. Je suis prêt à tout pour le mettre KO. Ce T-crémeux fait des ravages, un truc de fou. Parasport. C'est quoi, puissance? Ok, je crois qu'on est en train de perdre face à Ygrim, c'est fou. Jackpot. Allez, jackpot. Tu peux le faire, poulet d'or. Je sais pas à quel, à quel niveau il évolue, lui. Il me semble que c'est 32 ou 36. Ouah, wow, Calimero qui apprend en pleurs. À la place de Fury, hein. C'est mieux, je trouve. Merde. Arrêtez d'apprendre en pleurs. Non. Voilà. Excusez-moi, j'ai failli faire une faute et en plus j'ai dit un petit gros mot pas du tout sympa. Allez, à la place de Fury. Je crois que Togepi, il évolue avec l'amitié. Hein. Allez, on a fait deux siestes. On va monter, on va éviter d'affronter tout le monde, sinon on en a pour 2000 ans. Un petit match duo. Allez, c'est parti. Le centre météo
a créé un type de Pokémon basé sur le climat. Ah oui, c'est Morpheo. Un Pokémon qui a été créé par les humains. Comme Mewtwo. Enfin, Mewtwo, c'est un clone plutôt. Mais il a quand même été créé. Bon, bref. Nous sommes là pour le voler. Ne dis pas que tu cherches le Pokémon météo, toi aussi. Alors là, non. Nous étions là avant. Bon, je crois qu'après ce combat, on va se laisser là. Le combat est lancé par le BR Timaco. Et Regirock, oh non. Et Smogo. Ok, bientôt ils vont nous envoyer un Rayquaza. On va faire un petit yoga. Et un petit VG Attack. Je suis sûr que ça va le finir, le Smogo. VG Attack. Ok. Des KO. Calimero a gagné. 328 points d'expérience. Il nous envoie Paras, ok. Moi je fais un petit yoga comme ça, je ferai un mashfood super efficace pardon sur Regirock. Frénésie. Ok, ça va. Mashfood. Ah ok, j'ai cru que c'était super efficace, mais pas du tout. Oula, je sens les coups critiques arriver. Qu'est-ce que je disais? Show Legend, à toi. D'accord. Toi tu vas faire ça et lui il va faire poudre toxique sur lui parce qu'il faudra bien le mettre KO au bout d'un moment. Comme ça il mourra du poison. Léo, d'accord. Je crois qu'on va s'acharner. On va faire non un choc pistolet à eau qui est super efficace. Qu'il est de type plantier insecte ce Pokémon si je me trompe pas. Et Machou qui est normal. Point karaté. Coup critique, bien sûr. Tourniquet. Ok. Je propose qu'on finisse celui-là. En un coup. Ah, tant mieux. Lion de feu gagne des points. Show Legend aussi est monté niveau 28. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il tente d'apprendre Bélier. Est-ce que ça vaut le coup? Je vais regarder. Est-ce que ça vaut le coup? Au niveau de la puissance, je pense que je vais l'apprendre à la place de pistolet à eau. Tadam! Pistolet à eau et après bélier. On fait machou. Karaté, coup critique, ok. On va faire une petite technique de fourbe, détection, comme ça si jamais il attaque sur Canardichaud, je gagne un tour, et là je vais faire bélier pour le finir. Détection. Bélier. Et voilà, c'est super efficace. Il a un autre Pokémon après, hein. Il me semble. D'accord. Monté niveau 25, pardon. Tant mieux. Monté niveau 20, tant mieux. Danse pluie. Est-ce que ça va nous servir? Allez, on regarde quand même. Danse pluie, qu'est-ce que ça fait? C'est bien pour le talent glissade, ça augmente les attaques de type eau. Ça rend Fatal Food à 100%, il me semble. Ou les attaques électriques, je sais plus. Non. Non, on va pas l'apprendre. Ça me sert à rien. Ah, il veut apprendre morsure maintenant. Ça, par contre, ça peut être utile. À la place de Mimique. Allez, encore un Pokémon. Mashfouille. Oublié Clatroc, Chocmantle. Clatroc, c'est super efficace, hein. Clatroc, ouais. Et sa défense baisse. Moi j'attaque après.
Ouah, le coup critique. Oh, la trop bonne, le trop bon combo qu'il y a eu là. Bon, voilà, c'est la fin de ce combat. Je pense qu'on va s'arrêter là. Moi, je vais aller me soigner un petit coup. J'espère que le let's play vous plaît, qu'il est bien fait. S'il y a des trucs qui vont pas, n'hésitez pas à me le faire. Je pourrais peut-être essayer d'arranger ça dans les futurs épisodes. Et sur ce, je vous laisse ici. Je vais sauvegarder un petit coup. D'habitude, je le fais hors vidéo, mais là, j'ai envie de le faire avec vous. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo, de cet épisode. On se retrouve pour le prochain qui sera l'épisode 16. Et celui-là, c'est le 15, si je me trompe pas. Allez, ciao !